On a envoyé ce livre pour le live des 6 millions d'Inoxtag. Comme vous le voyez à l'écran, Pidi le tient actuellement dans les mains. Donc je vais vous montrer le replay. Et juste après vous avoir montré le replay, je vais vous montrer qu'est-ce que contient le livre. Buenas tardes a todos, c'est Lucas Brasier. On se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais juste avant, n'hésitez pas à liker pour le soutien. Ça fait toujours super plaisir. Surtout pour une vidéo comme ça, ouverture de colis, vous allez voir, la réaction d'Inoxtag est complètement folle. Oh ça c'est stylé. Oui. Ça c'est archi stylé de oh. Attends, oh. Ils ont trouvé le colis non, très très stylé. Ça. Ah oui. Attends, quoi attends, mais c'est un livre qui raconte l'histoire. Mais wesh, mais non, toutes les dates, toutes tes vidéos. Et ah oui, toutes les vidéos. Non, attends, ça, c'est attends, ça c'est un banger. Il y a même une participation sur des lives. Mais c'est incroyable. Attends, il y a un mec qui a fait un livre entier. T'as combien de pages du coup? Attends, il y a pas de 350 pages le livre. Mais tu sais qu'il y a même pas de mots. Si là, remerciement. Pour t'expliquer. C'est ça, 350. Le contexte de la conception de cette YouTubeographie. Attends, on peut pas voir. Ah, mais je vais essayer de choper la cam sur la table. Ah, mais je sais pas si elle a de la batterie, je pense pas. Pour vous expliquer le contexte de la création de cette YouTubeographie, après je vous remets la suite de la vidéo. En gros, avec l'aide de 13 étudiants à qui j'ai proposé de participer, qui sont juste ici sur la première page, je leur ai dit, voilà, j'ai une idée pour le live d'Inoxtag, j'ai envie de lui offrir un livre qui s'appellera donc une YouTubeographie. Et le principe est simple, comme Inoxtag, il est toujours dans le dépassement de soi, se dépasser physiquement et mentalement, je me suis dit qu'un livre qui retrace toute son histoire avec toutes les vidéos qu'il a publiées, ça pouvait être une idée pertinente et du coup je leur ai proposé, ils étaient grave chauds, donc c'est pour ça, on repart tout de suite dans la suite de la vidéo et comme vous voyez pour le moment ça lui plaît vraiment beaucoup. C'est incroyable hein. C'est qui ça? Inoxtag, c'est Lucas Brasier. Ah oui parce qu'à la fin en fait du livre j'ai mis une photo d'Inoxtag et moi et j'ai dit ouais peut-être un jour on sera amené à se croiser et ensemble on écrira une page de ton histoire. Et du coup j'ai mis une photo que j'avais avec Inoxtag dans le livre, donc on avait eu lors du tournage du Où est-ce qu'il est, le Où est Charlie de Squeezie. Et du coup ils ont ouvert le livre par la fin et ils l'ont pas ouvert par le début, c'est pour ça qu'ils sont tombés juste là, on peut le voir à l'écran, sur la photo que j'ai mise avec Inoxtag. C'est qui, c'est une photo? Ah mais c'est lui Lucas. Attends regarde, les dernières c'est 7 février. T'es mort. Les amis, en fait, quelqu'un a fait un livre, vous regardez, c'est stylé. Et chaque page, c'est une vidéo YouTube. Chaque page de garde, c'est de ça. Zéro ils n'arrêtent pas de dire que c'est vraiment stylé. Mais il s'est donné. À chaque fois, c'est notre première vidéo, wesh. Et à chaque fois que je tourne, il y a d'autres vidéos. Mais attends. Et toi, tu donnes tes impressions, en fait, dans les notes. Mais et oui, c'était c'est pour ça. Bien. Comme ça, il peut mettre des notes de souvenirs par rapport aux vidéos. Contre, incroyable le livre, merci beaucoup. Le livre, il est incroyable. Oh eh oui, il a dit à la fin, le livre est incroyable. Donc là, vous avez vu l'extrait. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Donc, comme vous l'avez vu, il l'a feuilleté. Vous avez toutes les vidéos d'Inoxtag qui ont été publiées sur sa chaîne. Donc, vous voyez, ça remonte à très, très loin. Donc, vraiment, voilà. La première page de garde, où, en haut, vous pouvez voir, c'est 2015 et en dessous, c'est 2023. Bien sûr, sur cette photo, vous voyez également les étudiants qui m'ont aidé sur ce projet. Donc, je les remercie vraiment tous. C'est grâce à eux qu'on a pu aussi faire ce livre aussi rapidement et pouvoir l'envoyer dans les temps. Parce qu'Inoxtag avait dit pour début février qu'on avait à peu près jusqu'au 20 février pour envoyer des colis si on souhaitait le faire. Maintenant, je vais vous montrer la page d'introduction, donc vous l'avez juste ici. Donc, je vous la montre et je vais vous la lire. Salut Inox, j'espère que tu vas bien. Cette YouTubeographie est là pour fêter tes 6 millions d'abonnés en retraçant chaque étape de ton parcours pour en arriver jusqu'ici. Donc là, je lui dis la première vidéo que j'ai mise et là, la dernière. Et là, je lui ai mis deux rêves que peut-être les plus anciens auront. À tes débuts, durant un live sur Fortnite, tu disais à Michou, et qui sait, peut-être qu'on va devenir des légendes. Plus tard, dans Clic avec Mouloud Achour, tu disais que ton but ultime était de marquer les gens et que le jour où tu partirais, tu aimerais que ta communauté se souvienne de toi. Aujourd'hui, 8 ans après ta première vidéo et 6 millions d'abonnés plus tard, je crois que tu es sur la bonne voie pour marquer l'histoire. Je te laisse donc te remémorer ton aventure et imaginer celle à venir. D'ailleurs, après avoir feuilleté ta YouTubeographie, si tu es une personne qui admire l'audace et la détermination, je te donne rendez-vous en page 341. Croyez en vous et osez, Lucas Brasier, ça c'est la phrase que je mets à la fin de tous mes contenus. Et la page 341, c'est donc celle où vous me voyez en photo avec Inoxtag et où je lui dis, voilà, j'adore ce que tu fais. Peut-être qu'un jour, on sera amené à se croiser sur YouTube et qui sait, on écrira peut-être ensemble une page de ton histoire. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. En attendant, comme vous avez vu, le cadeau lui a fait super plaisir, donc ça, c'était vraiment le plus important. Si vous voulez en savoir plus sur les coulisses de la création de ce livre, j'avais tourné plein d'images pendant l'écriture de ce projet, comment c'était venu, les étudiants également qui ont participé dessus. Donc si vous voulez un vlog là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'oubliez pas bien évidemment de liker la vidéo, ça soutient et pour un concept aussi gros, c'est toujours cool. Et n'oubliez pas également de vous abonner. Vous abonner, ça fait plaisir, ça permet voilà, de soutenir la chaîne également. Et vous ne raterez pas les prochaines vidéos qui arrivent, qui s'annoncent vraiment pépites. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce livre dans l'espace commentaire. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.